Les planétologues, ils ont tous une planète préférée ou pas? Ouais, ça arrive souvent. Il y a des gens qui aiment beaucoup Mars. Les gens, ils préfèrent Mars en général. Ouais, exactement, c'est plus sexy. C'est plus consensuel. C'est un laboratoire particulier parce qu'on travaille dans le domaine du spatial. Donc on construit des satellites qui vont explorer le système solaire ou des télescopes qui vont regarder l'univers. Et particulièrement, moi, je travaille dans la mission BepiColombo, qui est une mission qui a pour but d'étudier la planète Mercure. Et moi, je travaille pour la préparation de la mission. Donc on va voir, à l'IAS, on a des installations uniques ici en France pour tester au sol tous les instruments spatiaux. En fait, ce sont deux satellites qui vont partir ensemble l'année 2016. Et après 6 ans de voyage, parce que le voyage vers Mercure, ça prend du temps, on fait un petit tour à l'intérieur du système solaire. On profite de l'assistance gravitationnelle pour arriver à Mercure en 2022-2023. La mission elle a pour but d'étudier complètement la planète. Tant que la surface, la géologie des surfaces de la planète, mais aussi les champs magnétiques de la planète, qui est là, c'est une particularité de Mercure. Et le problème, c'est que Mercure, elle est à côté du Soleil, donc les observations depuis la Terre sont très très complexes, c'est très difficile d'observer la planète. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi sert l'étalonnage et ce qu'il permet? C'est l'étape avant l'intégration de l'instrument scientifique dans le satellite. C'est-à-dire qu'on va regarder des variations de température, des problèmes d'alignement optique et de perturbations électriques plutôt, les EMC, ou alors des problèmes optiques, voilà. Tout ça, c'est vraiment la connaissance de l'instrument après sa construction. On profite au mieux de faire toutes ces séries de tests avant le lancement, et comme ça, on pourra connaître les images, les vraies images scientifiques, une fois l'instrument soit en orbite autour de la planète. Donc voilà, ça c'est le système d'étalonnage de l'instrument Symbiosis. Et l'instrument, il est placé à l'intérieur d'une cube sous vide de contrôle thermique, et il regarde directement à travers un hublot, il regarde un ban optique. Le ban optique nous permet de simuler les flux émis et réfléchis par la planète Mercure. Tu travailles directement sur la lumière en fait. Exactement, voilà, je joue un peu avec la lumière et c'est les ça. Boutons. Donc c'est avec ça qu'on simule dans notre laboratoire et l'espace, particulièrement pour ces missions, l'espace autour de la planète Mercure. Un rêve d'enfant? Ouais, parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir un jour être participant d'une mission spatiale. Et ici, je me trouve, après un long chemin, je me trouve avec une opportunité unique de travailler dans une des grandes missions de l'Agence spatiale européenne. Est-ce que ça te permet de relativiser aussi la distance qu'il y a entre la Colombie et ici, par exemple? Ça me rassure. Ça me rassure un peu. Des fois, quand je me suis dit, OK, je suis trop loin de chez moi, j'ai dit, OK, mon instrument, il va être à 5 millions de kilomètres après. Donc, ça sera plus simple de rentrer en Colombie qu'aller jeter un coup d'œil à mon instrument. Voilà. Je ne suis pas un Tessard qui reste dans son bureau, devant son ordinateur. Sinon, moi, j'ai l'opportunité de travailler avec, en direct avec les ingénieurs, les chercheurs, les techniciens. Donc, c'est un travail assez enrichissant.